partout à travers le monde, tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio, une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou nal pi loin. Kouman nouye? Merci. Poutè Trois Coutés. Magazine ki fè yon kout flash. Kout flash. Sou sa ka pase nan le moun. Événement qui rentrait la caille non. Nous transformons l'autre approche .org avec diverses plateformes sous scène internationale. Jean nous dit où nous sélectionner pour extraire un discours sept dirigeants nous quoi qui est important pour nous tendre qui permettre nous cerner problématique cerner région noire Amérique là. On commençait avec président américain Joe Biden qui mettait accent sur question immigration qui mandait engagement commun. Président Joe Biden. Aujourd'hui, les dirigeants sur cette scène s'unissent pour prendre un engagement. Bon, c'est un mot qui est trop utilisé, mais c'est un engagement historique, parce qu'il s'agit effectivement d'un engagement historique. 20 pays qui s'unissent pour lancer la déclaration de l'Agence LES sur la migration et la protection. Avec cette déclaration, nous transformons notre approche de la gestion des migrations dans les Amériques. Chacun d'entre nous prend des engagements qui reconnaissent que ce défi est une responsabilité partagée qui touche toutes nos nations. Et un défi, et ça je l'ai appris grâce à mon expérience, car nous travaillons ensemble en partenariat pour gérer ce problème de la migration. Au cours des dernières années, la crise économique mondiale déclenchée par la pandémie de COVID-19 est maintenant aggravée par la guerre de la Russie en Ukraine, ainsi que les troubles politiques provoqués par les régimes autocratiques de notre région, a conduit à des niveaux de migration records. Et pas seulement vers les États-Unis, la Colombie a accueilli des millions de réfugiés du Venezuela. À l'heure actuelle, les migrants représentent jusqu'à 10% de la population du Costa Rica. Mais aucune nation ne devrait assumer seule cette responsabilité. Nos avenirs économiques dépendent les uns des autres. Notre sécurité est liée
et la plupart des Américains ne le comprennent peut-être pas autant que vous. Et notre humanité commune exige que nous prenions soin de nos voisins. La déclaration de Los Angeles s'articule autour de quatre piliers fondamentalement. Premièrement, la stabilité et l'assistance. S'assurer que les communautés qui accueillent les réfugiés ont les ressources nécessaires pour s'occuper d'eux. Unis pour les réfugiés et de l'Organisation internationale pour l'immigration. Et c'est pourquoi tant de nations, je dis encore une fois, 20 pays qui représentent ici présent, dans ce sommet, nous avons exprimé notre opposition au fait que que l'on ne parvient jamais à résoudre. Pourquoi sommes-nous contre l'exclusion? Tous les pays. Bien sûr, le Mexique est d'accord avec cette position. Voilà pourquoi le président López Obrador n'est pas venu pour souligner le fait que nous ne sommes pas d'accord. Et je disais, pourquoi est-ce le cas?
comment résoudre nos graves problèmes, comment obtenir des vaccins, par exemple. Et donc... cette tribune au nom de la communauté des États d'Amérique latine et de la Caraïbe, qu'il fallait immédiatement renouveler le mandat de... nous réorganiser dans les Amériques. Il faut parler de l'avenir de l'OEA. Il s'agit de cela. Si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème et si nous continuons dans cette différence suite à tout ce que je viens de vous décrire, si nous n'adoptons pas les mesures nécessaires pour progresser, eh bien vraisemblablement, lors du prochain sommet, nous débattrons des mêmes questions. À savoir, nous avons des accords, nous avons des initiatives, mais ce qui continue de dominer, c'est la différence entre les principes que je viens de vous décrire et la forme et notre forme d'organisation. Il me semble donc que le moment est venu où, pour le bien-être des Amériques, nous devons résoudre cette différence. Même son cloche, bon côté Bolivie, qui profitait condamné attitude OEA dans crise politique qui t'est frappé pays. Ministre des Affaires étrangères bolivien, Rogério Mata. Malgré que l'on dise qu'il s'agit d'un sommet des Amériques, il y a des pays qui ont été exclus de ce sommet. C'est regrettable que dans un espace d'intégration continentale tel que ce sommet, il ne serve pas de point de rencontre pour tous les pays des Amériques. L'exclusion de Cuba semblait être quelque chose qui était historique et l'on pouvait donc croire à un meilleur avenir pour les relations entre les États pendant ces sommets. Toutefois, dans un retour à un triste passé, le nombre de pays l'Organisation des États américains et son secrétariat général ne garantissent pas non plus l'institutionnalité, l'état de droit et le respect des droits de la personne. Dans notre difficile expérience, l'OEA a participé à des événements tels que le coup d'État qui est advenu en Bolivie en novembre 2019, qui a consolidé un gouvernement de facto sur base d'une répression violente des manifestations. L'emploi de forces létales qui a tué des dizaines de Boliviens.
Et ils ont agi contre la démocratie. C'était des assassinats. L'OEA a participé à un audit électoral, une soi-disant audit électoral en 2019, qui a été l'une des justifications de ce coup. Nous avons demandé que l'on nous présente des informations sur cet audit. Ce n'était pas une fois ou deux, mais 11 fois jusqu'à présent. Mais il n'y a pas de transparence au sein de l'OEA d'Almagro. La Bolivie attend toujours une enquête honnête et impartiale sur ce qui est advenu pendant ce soi-disant audit électoral. Notre dure expérience nous pousse à croire à l'avenir d'organisations et de mécanismes qui ne correspondent plus aux besoins des pays et des peuples de l'Amérique latine. En fin de compte, nous ne sommes pas obligés à rester là où on ne respecte pas nos droits et où on ne retrouve pas la solidarité et l'appui en moment de crise. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire d'apporter des changements fondamentaux avant qu'il ne soit trop tard. Et il faut repenser nos institutions et voir les instruments d'intégration américaine. Bon côté Pali, Chili, puis souple, mais les partager critique, et puis les profiter, mettre l'autre question sous table à tout. Tant coup, égalité femmes et garçons dans question politique. Président Gabriel Boric. Nous sommes ici pour dialoguer, pour écouter. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus, comme beaucoup de présidents avant moi l'ont dit, nous sommes convaincus que cela peut fonctionner s'il n'y a pas d'exclusion. On devrait tous être ici et ce n'est pas le cas. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas que Cuba, le Venezuela et le Nicaragua soient exclus. Vous savez pourquoi? Parce que ce serait différent. Dans un forum que celui-ci, si tous les pays étaient présents, même ceux qui ont décidé de ne pas venir à cause de cette exclusion, eh bien cela montre qu'il est nécessaire, ou du moins il est nécessaire de libérer les prisonniers politiques au Nicaragua. Et l'importance morale est urgente. Où il est important de mettre fin à cet embargo à l'encontre de Cuba, une fois pour toutes. Il est important que lorsque nous sommes en désaccord, comme vous l'avez dit, eh bien nous devons, cela ne peut que promouvoir l'isolement et cela n'est pas utile comme l'histoire nous l'a montré. Pour notre pays, nous voulons vous le dire de manière très claire, les droits de l'homme et le respect non restreint des droits humains est un concept de base de la civilisation que nous allons toujours promouvoir, quelle que soit l'appartenance politique des dirigeants. Et nous devons nous inclure là-dedans. C'est pourquoi nous sommes un gouvernement féministe qui défend les droits humains des femmes, des filles et des dissidents où qu'ils se trouvent dans le monde. Dans ce domaine, malheureusement, nous sommes convaincus que nos accords
L'invitation à ce 9e sommet des Amériques n'a pas été envoyée à tous les chefs de gouvernement. Je reconnais que nous avons de grands défis qui exigent notre attention collective. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres sommets à l'avenir. À la crise climatique et pour qu'on puisse surmonter l'insécurité alimentaire et l'augmentation des prix. Des dizaines de milliers de personnes du continent se retrouvent dans la pauvreté. Cela exige davantage de coopération au niveau continental et nous devons agir avec urgence pour faire en sorte que les coûts très élevés de la vie soit réduit. Mais la réalité, c'est qu'aucun pays ne peut le faire seul. La plus grande coopération au niveau continental est nécessaire pour mobiliser nos ressources collectives et nous avons également besoin d'un plan d'action collectif pour ce faire. Je ne m'attends pas à ce que ce sommet produise un plan définitif. J'espère toutefois que nous puissions nous accorder sur certains éléments, donc des priorités, des mesures pratiques qui peuvent être mises en œuvre. Dans le même chapitre, ça a tout gagné Bahamas qui concernait en pile, surtout dans la question immigration, hein, dans le sens ça. Coin de ce monde. Comment nous nous engageons avec les pays où les valeurs démocratiques sont en baisse est un des grands défis de notre époque. Il est difficile de parler avec ceux qui sont d'accord avec nous, mais nous devons également être capables de parler avec ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. De fait, parfois, ce sont là les conversations qui sont les plus nécessaires. Tous les pays de notre continent sont confrontés à des crises qui se chevauchent, que ce soit en matière de développement, de sécurité, de démocratie. La collaboration et l'action collective nous bénéficiera à tous. L'absence de la République de Cuba rend nos délibérations moins complètes. Nous affirmons fermement que nous devons toujours rester ouverts à l'engagement diplomatique et à la consultation. Voilà pourquoi nous appuyons les efforts pour apporter une nouvelle vie à la charte démocratique interaméricaine, l'embargo contre nos voisins de Cuba, le plus long embargo dans l'histoire moderne, contribue directement à une augmentation de la migration irrégulière qui affecte une chute conséquente de la migration irrégulière, ce qui était un fait bienvenu pour mon pays. Et nous
stabilité, de l'insécurité qui ont provoqué par ces bandes et qui obligent leurs citoyens à rechercher d'autres alternatives pour survivre, augmentant de manière conséquente la pression migratoire, principalement sur la République dominicaine et, dans une moindre mesure, d'autres pays de la région. La République dominicaine ne doit pas supporter à elle seule les problèmes d'Haïti. De fait, nous en faisons déjà trop, beaucoup plus que ce que nous pouvons le faire. La citoyenne de ce pays voisin a dépassé les limites d'un problème migratoire. C'est pour les Dominicains maintenant devenu un problème de sécurité nationale et nous allons faire le nécessaire, comme le ferait tout pays souverain, face à une menace semblable pour garantir de manière adéquate la sécurité le long de nos frontières. Il incombe à la communauté internationale d'assumer un plus grand engagement par rapport au peuple haïtien, avec une implication plus générale et de manière urgente de travailler à la pacification et à la récupération définitive de ce pays. Voilà, n'a fait songer 9e sommet Amérique au fini 10 juin avec déclaration Los Angeles qui doit permettre yo harmoniser bataille y a mené dans région contre immigration clandestine. Gen 20 pays qui s'y est encore ça. C'est comme ça n'a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices à bien comprendre ce qui a passé sous scène international. Nous disons merci pour attention. Continuez à suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Et puis, nous capables de écouter l'émission ça le nouvelé en podcast sous mixcloud.com, zeno.fm, Apple, Spotify et puis Google Podcast. Comment nous y est? Merci. Pour être à côté. Magazine qui fait un coup de flash. Flash sous sa cap passé dans les mondes. Événement qui rentre la caille. Toutes oreilles sages, yo nou vire yo lop page ak Alter Radio, vin fè révolution nan zafè radio. Tout mailman, rétro fan, tizè sports coup, pa gen lot choix, 106.1 FM, c'est stéréo pan. Hey yo, ou besoin bien formé, hérité informé, donc ou bagen lot choix que brancher Alter Radio sous 106.1 FM. It's your boy Blazy.